de dire au revoir aux téléspectateurs, j'ai écrit un petit texte hein, quand même. Je m'y prépare plus des mois et pourtant bah, j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment le pourrais-je après euh, tant d'émotions, de surprises et surtout euh, après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez. C'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde, euh, grâce euh, à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, <laughs> et oui celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années, pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été ma ligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier, faire entendre et montrer toutes les richesses de nos régions, jusque dans les plus petits villages. On a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi. Merci à mes trois patrons. Je tiens à les citer, Patrick Lelay qui nous a quittés il y a quelques mois. Euh, non Spaolini, Gilles Pélisson, m'avoir laissé euh, cette liberté euh, formidable, liberté et indépendance, sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt. Je voudrais saluer tous nos correspondants les régions, dans les régions qui ont si bien chanté. C'est l'âme du journal. Je suis très triste de les quitter aujourd'hui. Ils se sont tellement battus à mes côtés. Merci aux journalistes, aux techniciens, aux assistantes qui m'ont entouré ici. avec. Euh, Beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins. On a formé la famille du 13h pendant 30 ans. Alors il y a un élément de la famille qui s'en va et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie. Donc j'arrête. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Euh... <laughs> et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal. Non, regarde sans doute de là-haut. Mais je ne vous abandonne pas pour autant. Il y a une nouvelle chaîne sur Internet, la qui commence aujourd'hui. Je vous retrouverai aussi toutes les semaines sur LCI à partir du 9 janvier. C'est Jean-Pierre et vous, une émission qui vous donnera encore la parole. Voilà, j'arrête le cœur serré. Je suis confiant pour la suite.